Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Canal ONU. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un terme assez technique. Il s'agit d'un projet novateur intitulé CountryStat. En effet, en vue d'appuyer le développement et la mise en œuvre de la base de données mondiale sur l'agriculture et l'alimentation, la FAO a développé le système CountryStat. Mais pourquoi ce nouveau système de collecte d'informations? Comment fonctionne-t-il? Comment peut-on y accéder? Et pour obtenir quoi? Dans l'optique de clarifier ces problématiques, nous avons fait appel à un spécialiste. Il s'agit de M. Moussa Kabore, directeur de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires à la Direction générale de la promotion de l'économie rurale. Voilà donc le projet CountryStat du Burkina, développé par la FAO, projet lancé le 22 octobre dernier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Monsieur Moussa Kabore, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires. Dites-nous en quoi consiste ce projet. Le projet CountryStat est une initiative internationale visant à harmoniser et mettre en commun l'ensemble de l'information disponible sur l'agriculture et l'alimentation des pays dans une plateforme mondiale. Voilà. Alors, pourquoi ce terme CountryStat? On aurait peut-être pu l'adapter localement avec un terme beaucoup plus proche de nous. Nous sommes un pays francophone. Vous savez, lorsqu'on change les terminologies d'un pays à un autre, le problème qui se passe, c'est qu'on ne saura jamais que c'est le même système qui fonctionne dans tous les pays. C'est pourquoi l'appellation CountryStat, qui signifie tout simplement statistique pays. Voilà. À l'image de FAO Stat, qui est la base de données mondiale sur l'agriculture et l'alimentation, qui regroupe 200 pays. Voilà. Alors ici au Burkina, ce projet a été concomitamment lancé avec la célébration de la Journée mondiale de l'agriculture, de l'alimentation, pardon. Mm-hmm. C'était donc le 22 octobre dernier à Komki-Ipala. Mm-hmm. Alors y a-t-il une raison à cela? Pourquoi ce choix de faire coïncider les deux événements? Vous savez, le thème de la journée, vous l'avez indiqué, atteindre la sécurité alimentaire en période de crise. Mm-hmm. Et pour nous, c'est important. Et lorsque vous êtes en situation de crise, tout de suite, vous avez besoin d'informations rapidement accessibles pour pouvoir comprendre l'ampleur du phénomène et comment prendre la décision qui sied. Et avoir un système qui permette d'accéder très rapidement aux informations sur l'alimentation et l'agriculture, pour le décideur, c'est très important. Donc, de pouvoir prendre ces informations et tout de suite de prendre la bonne décision, parce que nous avons le panorama d'ensemble de ce qui se passe aussi bien chez nous que ce qui se passe chez les autres. Chez les autres, voilà. Ouais. Exactement, nous avons à l'image donc la cérémonie de lancement de CountryStat, c'était à Komki-Ipala. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information? Quel type d'information on peut avoir sur CountryStat? Alors, vous le voyez, lors de la Journée mondiale sur l'alimentation, il y a eu plusieurs exposants sur des produits de plusieurs natures, partant de l'aval, l'amont de la production à l'aval donc de la production. Donc ça signifie quoi? C'est tout ce qui peut concourir donc à permettre donc la production agricole. Vous avez les statistiques donc des intrants, intrants en termes de semences, engrais, en termes de production locale, s'il y a des productions locales, les pesticides, les quantités produites localement, les quantités importées. Et vous avez ce qui rentre dans le domaine de l'agriculture, voilà, de l'alimentation. De l'alimentation, donc la production, en tout cas, ce qui rentre dans la production, donc dans les produits agricoles et les produits alimentaires. Donc vous avez des statistiques également donc du transport, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où on a des zones de production et on a des zones généralement déficitaires. Donc, ou des zones de consommation qui sont les marchés urbains, il faut transporter. Donc, il est important que nous sachions quel est le potentiel de transport dont nous disposons ou quels sont les risques en termes d'approvisionnement donc, de ces marchés-là.
Donc, et également, bien sûr, les statistiques de commercialisation. Il est important que nous puissions les avoir, donc pour savoir exactement où nous devons aller vendre ou acheter lorsqu'on a besoin d'un produit, aussi bien au niveau même de notre pays. Mais l'avantage, c'est que nous savons également au niveau international où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, du riz, hein, les perspectives de récolte dans tel pays ou dans tel autre pays. Donc, et nos opérateurs ont, en fait, ce moment-là, une base à partir de laquelle ils peuvent et accéder à cette information sans trop donc de tracasser. Mais est-ce qu'avec CountrySat on peut tirer un ouf de soulagement quand on sait par exemple que la FAO a été secouée avec les crises alimentaires qu'on connaît, donc les différents pays, la FAO a été beaucoup critiquée à ce moment-là. Mais est-ce qu'avec cette nouvelle donnée de base, on peut se dire que les crises alimentaires maintenant, ce sera plus possible, ou en tout cas qu'on va mieux maîtriser en fait ces crises à l'avenir? Oui. Je dirais que avec le CountrySat, il s'agit pour nous de savoir que c'est de l'information dont nous disposons sur l'existant. Lorsque vous ne savez pas et où vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où vous devez aller. Et l'information statistique qui est contenue dans le CountrySat, donc permet de savoir déjà où on a quitté et où on est actuellement et où on risque d'aller. Et je crois que pendant longtemps, les départements en charge de l'alimentation, des statistiques alimentaires, et aussi bien au niveau national et dans la sous-région et internationale, ne cessent, à chaque fois qu'il y a des risques de crise, de les souligner, hein, ces risques de crise alimentaire. Cette crise que nous avons vécue en 2008, elle était bien perçue. Deux ans à l'avance, on savait très bien. Et le niveau de baisse drastique des stocks mondiaux, hein, on savait très bien que ça devait arriver avec la crise, en tout cas de la demande des denrées alimentaires. On savait que ça risquait d'arriver s'il n'y avait pas de modifications de comportement avec de nouvelles demandes de produits agricoles pour d'autres secteurs comme les hydrocarbures et les biocarburants. Mais avec cette donnée de base-là, désormais, qu'est-ce qui va changer? Vous l'avez dit, il y a deux ans qu'on savait que la crise allait venir, mais aujourd'hui, avec ce logiciel qu'on a, est-ce qu'il est possible de prévoir ou bien même d'éviter qu'il y ait des crises? C'est l'utilisation des données qui va nous permettre, effectivement, d'éviter les crises. Voilà. Parce que c'est de l'information et il faut utiliser l'information pour prévenir. Alors, il faut l'utiliser. Quels sont justement les destinataires de CountrySat et comment est-ce qu'on peut y accéder? Les utilisateurs de CountrySat, je dirais que c'est tout le monde. Parce qu'à tout moment, tout le monde a besoin d'informations pour savoir que prendre comme décision. Le producteur a besoin d'informations statistiques. Ici, au moins nos organisations paysannes peuvent savoir à partir de CountrySat, donc l'information sur les statistiques de production ou de demande. Par exemple, donc il suffit simplement de se connecter, besoin d'être fonctionnaire de la FAO ou d'être agriculteur, non. Toute personne lambda peut accéder à CountrySat pour collecter, pour prendre ses données et faire ses analyses. Voilà. Et bien plus, vous voyez le décideur qui, par exemple, se trouve à l'international ou un cadre qui se trouve à l'international, qui se trouve devant une question particulière et qui a besoin des statistiques de son pays. Et par exemple, les statistiques de transport, les statistiques de l'agriculture. Et il doit contacter, étant à l'extérieur, plusieurs structures de son propre pays pour avoir de l'information. Et CountrySat facilite ce travail de collecte parce que sur place, étant là où il est, il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un, il lui suffit d'ouvrir la base qui est accessible à distance et il accède à l'information. Maintenant, c'est au producteur d'information de mettre à jour cette information et c'est pour ce faire aussi que nous voulons que, effectivement, toutes ces structures qui produisent de l'information participent à l'alimentation régulière de cette base-là pour que les utilisateurs, enfin, puissent accéder à l'information, hein, que ce problème d'accessibilité aux statistiques ne pose plus.